Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bonjour les Reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour la première vidéo du jour. Pour nous soutenir, laissez beaucoup de j'aime. Je tiens à vous remercier beaucoup pour tout vos soutiens d'hier. Hier, le 1er février, c'était le jour de mon anniversaire. Je fêtais mes 30 ans. Et vraiment, de toute ma vie, je n'ai jamais eu autant d'affection venant des gens, même qui ne me voient pas. J'ai plus reçu de bonheur, de cadeaux des gens qui ne me voient pas que les gens qui sont avec moi dans la vie réelle. Là, je conclue que véritablement ceux qui m'aiment sont ceux qui ne me voient pas. Ceux qui sont en esprit, mais que je passe au pays. Mais c'est bien. C'est bien. Ça, c'est de l'amour véritable. C'est de l'amour véritable. Apporter un soutien à une personne qu'on n'aime pas, c'est vraiment bien. Merci encore une fois. Merci infiniment. Comme vous pouvez le voir, malgré toute cette joie, il fallait travailler. C'est pourquoi vous avez vu les vidéos qui sont apparues après. Mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de vidéos qui vont venir où vous allez découvrir beaucoup de choses. Vraiment, beaucoup de choses. La vie, c'est une chose terrible. Merci les frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le nouveau nom des sorciers. Connaissez-vous le nouveau nom des sorciers? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez que les sorciers, aujourd'hui, ils vont avoir un nouveau nom? Et laissez-moi vous présenter le nouveau nom des sorciers. Eh bien, le nouveau nom des sorciers est ici. Je les appelle les mouches. Les mouches. Eh oui. Voici le nouveau nom que je donne aux sorciers. Oui, je les appelle les mouches. Les mouches. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les sorciers, les mouches? Pourquoi est-ce qu'on appelle les sorciers les mouches? Pourquoi? Qu'est-ce que les mouches font? C'est ça la bonne question. La question c'est, que font les mouches? Que font les mouches? Avez-vous remarqué les mouches? Avez-vous déjà observé les mouches? Que se passe-t-il? Bon, prenez du miel. Prenez votre doigt, mettez dans une bouteille où se trouve le miel, ou prenez vous deux, cela sur la table. Vous allez voir que c'est un peu de temps, hein, des mouches vont apparaître en même temps. Ou vous n'avez pas remarqué? Bon, faites l'expérience. Au lieu de voir les abeilles, le papa du miel, hein? On voit pas le papa. Ce sont les mouches qu'on voit. Il vient chercher quoi ici? Est-ce que ce sont eux qui ont produit le miel là? De quoi je me mêle? Qu'est-ce qu'il vient chercher dans notre affaire? Les mouches. Les mouches. Le nouveau nom des sorciers, c'est les mouches. Les mouches. Ouais. Ouais. Et ouais. C'est là, tu dois faire très attention. Faites très attention que vous soyez une femme ou un homme. Écoutez-moi vraiment bien.
Moi, je sautais souvent. Et qu'est-ce qui se passe? Ou bon, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que quand je sautais, les sorciers venaient en grande masse sur moi. Ils venaient en grand nombre sur mon chemin. Ils se mettaient à m'attaquer, à raconter des histoires, à faire des choses qui n'avaient pas de sens. Même les goûts. Les jolis coups du pays. Elles ont commencé à me séduire, marcher comme ça. Cac, cuc, cac, cuc. Je vois ça, je ne parle pas. Il dit, il laisse-moi à Dieu. Mais monsieur Dieu, donne ma vie à Dieu. Et elles étaient nombreuses. Quand ton étoile commence à briller, elle est sorcière. Elle peut voir cela. Elle cherche garçon avec le pouvoir de la sorcellerie. C'est-à-dire, elle est calée chez elle et puis elle ouvre ses yeux spirituels pour voir c'est qui, c'est quel garçon sur la tête ici avec son étoile en train de briller là. Dès qu'elle détecte la personne, elle va faire exprès de quitter chez elle pour aller jusqu'à autour de la personne. Elle va l'analyser, l'étudier. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de jouer le rôle de comportement de mouche. Elle est en train de faire comme la mouche. En fait, elle était pas comme la mouche. Quand on dit que ton étoile commence à briller là, ça veut dire que Dieu a mis le miel sur toi. Tu as mis le miel sur toi. Vous voyez, non? Tu as mis le miel sur toi. Tu es sucré. Tu es un peu lapé. Maintenant, quand tu commences à se dire bon là, les sorcières, elles détectent que lui là, on dirait qu'il est riche. Hein? On dirait que lui, il va réussir. Hein. On dirait que lui, là, on doit s'attacher à lui, on doit s'accrocher à lui pour lui laper, pour lui sucer. Ça, c'est quoi? C'est le comportement des mouches. Des mouches. Et donc, comme vous avez dit, moi, je sortais, je voyais les mouches là, ces mouches-là. Elles étaient nombreuses comme ça dehors. Elles s'habillent de façon sexy. Elle s'habille même avec les vêtements chéris, regarde mon dos. J'ai pour dire, regarde mon dos, regarde comme je suis clair. Regarde-moi. Si ça te convient, tu viens vers moi. Tu viens vers moi. Eh bien, mes frères et soeurs, je voyais ça. Et je ne parlais pas, je disais rien. Je laissais pour moi à Dieu. Quand le 31 janvier est venu. Quand le 31 janvier est venu là, moi, je me préparais déjà pour mon 30e anniversaire parce que, quand même, 30 ans, c'est pas rien. Avec tous les morts qu'il y a dehors, si toi tu as vécu 30 ans, c'est vraiment bien. Trop bien. Je bénis Dieu. Je bénis encore Dieu. Merci Seigneur. Tu es vivant. Donc, je me préparais maintenant pour faire quelque chose de spécial pour mon 30e anniversaire. Oui. Et comme. Elles sont des sorcières. Elles sont censées voir à distance que je me prépare pour mon 30e anniversaire aussi. Puisqu'elles m'attaquent tout le temps. Puisqu'elles se préparent à ce que je passe à tel endroit et elles se positionnent là-bas pour m'attendre. Donc moi, je me disais que oh, voici peut-être une de ces sorcières-là. Elle va s'approcher de moi pour dire, ah, c'est vrai, c'est une sorcière, mais aujourd'hui, là, je t'ai dit, joyeux anniversaire. Puisqu'on a toujours la sorcellerie pour faire la sorcellerie, dis-toi. Là, pardon, on va te dire joyeux anniversaire, mon frère. Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à avoir beaucoup de godillots, comme d'habitude, pour venir me séduire, pour venir m'attaquer. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, ce jour-là, où je devais recevoir des cadeaux, des présents des gens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont disparu. Les gens ont disparu. Regarde, moi-même, j'ai dit, mais attends, où sont passées les sorcières? Où sont passées les sorcières? Les sorcières? Où? Je les cherche. J'ai dit, mais où? Mais je ne comprends pas. Mais vous êtes passé où? J'ai regardé à gauche et à droite. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Ah, donc.
Quand c'est pour me donner des cadeaux, vous n'êtes pas prêt. Mais quand c'est pour que moi je vous donne des cadeaux, là, vous venez en masse, à gogo, en bouillie. C'est dit, ah. On va changer votre nom. On va changer votre nom. Désormais, vous allez vous appeler les mouches. Parce que vous êtes des suceurs. Vous venez pour sucer les gens. Maintenant, quand l'homme a un événement heureux et il a besoin de vous pour le soutenir, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Mon frère, que cela soit un signe pour toi. Si tu prends les fêtes de tes amis pour charger, pour faire comme si c'était toi-même ta fête, et puis le jour, toi-même, tu dois avoir une fête très importante et que tu as besoin de leurs aides, de leurs cadeaux et qu'ils disparaissent à partir d'aujourd'hui. Coupe le lien. Coupe le lien. Coupe le lien. Donc, c'est moi, je suis bête. Moi, je vais m'occuper de vos fêtes. Mais moi, à ma fête, vous ne venez pas. Vous fuyez. Vous ne me soutenez pas. C'est-à-dire, ouais. Et de la manière, les mouches, de la manière, ces sorcières-là, elles n'étaient plus sur mon chemin, là. C'était comme vraiment les mouches. C'était comme vraiment les mouches. C'est du ouf. J'ai dit, elles étaient nombreuses comme ça, sur la route. À m'attendre au départ. Parce que le diable a dit, oh, allez attaquer, c'est le moment, allez l'attaquer. Ils étaient nombreux comme ça, les filles, les mamans, les grands-mères, tout le monde était là. Chacun s'y cherche. Elles étaient nombreuses comme ça. Mais tout aujourd'hui, parce que c'est le jour de mon anniversaire, et que vous n'êtes pas prête à m'offrir un cadeau, vous avez fui, vous avez disparu. La rue est devenue désert. La route est désert. Je vois plus personne. Vous êtes passé où? Où êtes-vous passé? J'ai regardé ça jusqu'à. J'ai dit vraiment, il faut que je vous en parle. Parce que ça là, c'est pas à faire. Les mouches. Mon frère, quand tu as l'argent, tu le vois venir. Chacun d'eux crée des histoires. Ah, moi, il y a problème de ceci. Ah, moi, il y a problème là. Ah, il y a mon cousin qui est là-bas qui vient de tomber. Ah, il y a ma tante qui est là-bas qui va faire sa fête. Ah, je dois voyager. Ah, ils vont créer toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Pour vous soutirer de l'argent. C'est aussi ça que vous avez bon cœur. Ils vont venir vous sucer. Comme des mouches. Mais quand vous aurez besoin d'eux, vous n'allez voir personne. Ils vont disparaître comme ça, comme. C'est-à-dire, ils vont disparaître comme ça, comme. Vous allez faire pitié d'eux. Ceux qui vous élèvent là. Ceux qui vous mettent en haut, qui vous disent, oh, t'es un bon gars, oh, t'es un dieu, oh, t'es si. Quand vous allez avoir des problèmes, ils vont disparaître comme ça. Vous n'allez plus les voir. Vous aurez l'impression qu'ils n'ont jamais été là. À ce moment-là, je me dis, où sont-ils passés ceux qui criaient mon nom, ceux qui m'élevaient, ceux qui disaient des choses sur moi? Où sont-ils passés? Mon frère, les mouches ont fui. Les mouches sont parties. Et je te parle de quelque chose. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hein? Donc c'est comme ça, ces gens-là m'ont abandonné. Oh. Donc dans ce monde, je n'ai personne. Si ce n'est que mes frères sur ici, sur notre chaîne YouTube ici, mes frères de bon. Si ce ne sont pas ces gens. Non, c'est pas possible. La balance était comme ça. En fait, à plat même, à zéro. Zéro même, zéro nul, comme ça. Ça, la balance, ça descendait. Quand mes frères ici de Yon-Soubon sont venus me souhaiter un joyeux anniversaire, me dire de bonnes choses, c'est s'est redressé.
les frères Lyon sont pas sont montés. Et puis ceux qui m'ont fui là, ils sont restés à zéro. Personne, personne de mon entourage, les même les sorciers qui m'attaquent chaque jour, aucun d'eux n'a ouvert sa bouche, me dit on a un joyeux anniversaire, mon ami. Je dis même personne. Alors que ils ont mangé mon chair. Ils sont sorciers, mais ils mangent mon chair. Vous voyez ça? Mais tout à coup, il y a mon anniversaire, eux ne sont plus sorciers. Ils ne voient plus clair. Ils ne voient plus l'avenir. L'homme est mauvais. Mes frères, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, hein? Si tu as un bon cœur, garde ton bon cœur là pour ta tête. Ta tête. Si tu aimes aider les gens, garde ça dans ton cœur. Dans ton cœur. Ceux que tu aides, ils ne vont pas t'aider en retour. Si tu veux aider quelqu'un, cache-toi, fais un secret. Personne ne te voit, ni vu, ni connu. Là, au moins, toi-même, tu sais que, de toute façon, la personne ne va pas venir t'aider en retour parce que elle n'a pas vu ton visage. Là, là, c'est mieux. Mais si tu les aides en te disant, ah, peut-être que demain, quand je serai dans les problèmes, ils vont venir me secourir, c'est faux. Ne comptez même plus sur. Ne comptez plus sur. Ne comptez plus sur. Les promesses, les gens qui te disent, ah, hey, toi là, je vais te donner ceci, ah, toi là, je vais te donner tes grands camps, oh, toi là, tes grands. Ils ne peuvent rien donner à quelqu'un, ils ne peuvent pas rendre grand quelqu'un ici. Ce sont des menteurs, allez là, ce sont des menteurs. Si toi tu es dans un camp, il faut batailler, tu travailles, fixe-toi tes objectifs, essaie de remplir, d'accomplir toutes tes missions et petit à petit tu vas aller en haut. Seul Dieu pourra t'aider. Donc, seul Dieu pourra m'aider. Eh bien oui. Parce que si Dieu comptait sur ces gens, ils vont fuir comme des mouches le jour où tu auras le plus besoin d'eux. Pour ne pas que ça t'arrive, je te raconte ça. Et je fais cette vidéo. Méfiez-vous, les frères et sœurs. Il y a des mouches là dehors. Et bien, je suis choqué. Aucune personne de mon entourage ne m'a souhaité joyeux anniversaire. Alors que quand c'est pour faire la sorcellerie, ils sont premiers. Et ils sont nombreux en plus. Non, il a dit non, c'est pas possible. Pour mon 30e anniversaire, sérieux? Mais j'ai laissé pour moi à Dieu. J'ai laissé pour moi à Dieu. Mais je suis sûr, j'ai pris de très grandes décisions. J'ai pris de très grandes décisions. Oui, chaque problème que vous rencontrez dans votre vie, là, que ça vous amène à réfléchir. Et à prendre de très grandes décisions à la fin. Eh bien oui. Vous m'avez sucé. Je vous ai bouffé mon argent. Maintenant, quand j'ai le plus besoin de vous, vous n'êtes plus là. Vous avez disparu. Vous faites comme si vous avez oublié. Moi encore. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. Mais moi, je sais que je peux compter sur Dieu. Et ce que même si l'union se bat, même si nous sommes à distance. Merci les frères et sœurs pour vous soutenir hier. Que Dieu vous bénisse. Ne permettez à aucune mouche de venir auprès de vous. Toutes les mouches qui sont autour de vous, les repéros, mettez-les le feu. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Ajoutez Nuance Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.